Salut à tous, c'est Nexos et on se retrouve aujourd'hui pour un gros viol de nous-mêmes vu que je suis en compagnie de Taïdan et qu'on vole avec le HO-229. Coucou Taïdan. Coucou. Et on va s'en prendre plein la bouche hein, parce que c'est le HO-229 et donc ce sera une partie basique en HO-229 quoi, je pense le nom de la partie. Ça va être, vous allez voir, cette magnifique chose en action. Et on a un compère en Orton avec nous. Ah, rest in peace, Vadim 159 russe. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Il réussira à décoller. Oh mon dieu. 100 km/h. Oh là là. Oh là là, vitesse de pointe. Ça va vite. Oh là là. Eh, hey, doublez-moi mais. Là, vous passez, vous me doublez avec votre scénic, quoi. À dire des conneries, je m'étouffe avec ma salive. Ouh. Pardon. Ouh là là. Ouh là là. Attention, j'ai quitté le sol. J'ai quitté le sol, mon dieu. Ah, cet avion de merde. Regardez-le avec sa tête stupide que ça fait. Regardez-le. Non, franchement, tu le regardes de derrière, ça fait une bouche et des yeux, quoi. Mais d'une façon très niaise. Oh là là, qu'est-ce qu'il est moche. Non, enfin, l'avion est joli en lui-même, mais... Regardez ça, coucou. Je me cache. Je me cache. Je me cache. Oh, putain. Ah, tu me dépasses. Ah là 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 là, je suis plus rapide. C'est une course de limaces. À quelle vitesse tu vas là? Oh là là, je suis à 370. Ah, je suis à 320 km/h, mon dieu. 320 km/h, j'ai pas encore pété mes ailes, mais que se passe-t-il? Un B17! Vite! Tous sur le B17! Bon, on parie qu'on aura des pertes ou pas? Ah bah moi je parie sur 100% de perte pour nous deux. Attention, attention, prise d'altitude. Un mosquito abattu par son tempeste. Oulala, je prends des risques. Prise d'altitude, 800 mètres. Oulala, là, on a plus de vitesse. Ah par contre il tourne bien. Ah oui, ça n'y a aucun problème pour tourner. Tant que tu vas pas vite en fait, comme tu vas jamais vite avec cet avion, bah c'est vite réglé. Oh là là, 1000 mètres d'altitude, mais on bat des records. À ce rythme là, je suis dans l'espace d'ici oh, une bonne dizaine d'heures, hein, ouais. Et ça, je monte à 10 degrés, le truc il avance pas quoi, c'est ignoble. C'est ignoble. Tout le monde était là. Oh, le Horton, il va être trop bien et tout. Ils se sont tous fait niquer. Moi, le premier d'ailleurs, parce que j'étais un. Dès qu'il est sorti comme un pigeon, j'ai recherché. Mais bon. Pareil de mon côté. Moi, je l'aime bien parce que je savais que ça allait être foireux. c'est même plus foireux là, ce rythme là. C'est un bon bousin quand même. Hein. Ah, moi, ça. Le compère, non. Le compère s'est écrasé. Non, non. Vladim 159 russe. Tu étais si jeune. Tu n'étais pas voué voilà. À une mort aussi terrible. Pourquoi il ne faut pas tourner en Horten? Non. Il vaut mieux s'éjecter que tourner. T'es parti où toi? Ah, t'es là-bas. Moi je suis de la. Ah, attention, je vois un contact. Contact près de toi. P63 et B17. P63. Mais mon dieu, mais c'est magnifique. Allons-nous faire un kill en Horten? Ce serait une... Non, le B17 s'est écrasé. Allons-nous faire oh un non, kill? J'ai perdu mes ailes. Attention. T'es mort? Non. Oui. J'ai fait l'erreur de vouloir tourner doucement. Avec quel avion de merde.
Ah, il s'est écrasé. Non! Non! Un fufu! Il faut qu'il meure! Oulala, vitesse de pointe, 600 km, 700 km heure. Ne tourne pas, non. Non, j'ai sorti les aérofreins. Touché. Quand je dis que les 30 mm c'est des blagues. Oui, oui, oh, champagne. Champomy les enfants, c'est moi qui offre. Oh là là, kill en Horten 229 et un fufu en plus. En plus un fufu. Alors là, j'espère que ce mec a honte, parce qu'il vient de se faire abattre par un Horten. Yes. Wouh. Danse de la victoire. Oh mon dieu. Un autre Ayak 9 au-dessus. Je vais mourir, hein. Donc ça, j'annonce, ce n'est pas une partie basique en Horten. Je devrais déjà être mort, en fait. Basiquement. Non, mais ça sert à get wrecked. En fait, ça sert à rien, il a déjà un rage kit. Il est déjà en position de sécurité abdominale dans son lit. Wouh. Oh mon dieu. Mais c'est n'importe quoi, cet avion. C'est une blague. Certes, mais c'est une bonne blague. Ah putain, ils se sont pas foutus, ils sont bien foutus de notre gueule, Gaijin, avec ça. Regardez ça, je suis en ligne droite. B17. Peut-être le deuxième kill. Peut-être le deuxième kill. Un deuxième kill en Horten. En une partie. Mais mon dieu, attends, ne crie pas trop vite victoire, je suis quand même en Horten, c'est quand même un B17, il a quand même des gunners d'enculé. Hein. Surtout que moi j'ai des 30 mm, qui, c'est des 7-7 les bousins. Donc bon. Hein ? Je crierai pas trop vite victoire avec à ta place. Oh mon dieu, ça tourne pas. Je décroche là. Reste pas là. Oui ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais en fait, je suis Dieu, c'est ça? Non, mais faut me le dire, hein, les gars, si j'ai un. Oh là là! Oh mon dieu! Oh, regardez-moi ça, la deuxième victoire en Horten. Oh! Que se passe-t-il? Tu regardais, tu n'as pas pris feu! J'ai pas pris un dégât! Pas un seul! Oh mon dieu! Est-ce que je suis une sorte de demi-dieu? Dites-moi! Wouhou! Bon! Et pendant ce temps, un DS-109 s'est écrasé. Voilà, très bon ça. Oh mon dieu. Comment est-ce que je fais? Je ne sais pas. Donc là les gars, c'est une partie hors du commun pour un Horten. Parce que c'est 2 kills en Horten, c'est... Unbelievable. Oh mon dieu. Cet avion. Hein, donc vous l'aurez compris, c'est une partie assez un peu troll. Oulala, je m'emballe. On va se détendre. Oh mon dieu. Ne tombons pas dans l'euphorie, restons calmes. On a frôlé le drame là, c'était... Donc je vois peut-être le troisième kill, peut-être. Oh mon dieu, je surchauffe. Et je monte à même pas 15 degrés, j'ai plus de vitesse quoi, c'est n'importe quoi. Et je suis bientôt à 2500 mètres. Oh là 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 là. On est bon pour l'instant, on est bon. Ah bah vous le voyez là. Non, je l'ai perdu, je le vois plus. Ah mince, les moteurs sont surchauffe. 175%, ça va refroidir rapidement, j'espère. Oui, ça refroidit. Je prends quand même de la vitesse à 75% de moteur. Mais que se passe-t-il? Ce
passe quelque chose de grave là. Il se passe quelque chose, c'est un Yak 9 à ma droite. Un Tempest. Un Speedfire. Où c'est un Spitfire? Oulala, Spitfire là-bas. Yao, F8F, tout le monde est là. C'est une réunion de... Le Tempest, je pense qu'il est mort. Et non, le Tempest... Il était juste critique, mais est-ce qu'il lui a coupé l'aile? Je le vois qu'il galère à voler quand même. Est-ce que je vais l'achever pour un troisième kill? Le deuxième en Tempest, allez. Soyons fous. Attention la vitesse, T'inquiète. Aérofrein sorti. 8G, 9G. Le pire, c'est que j'ai aucun voile noir. Là, je... Le Bir 4, allez, on y croit. Touché ! Ah ! Mon Dieu ! Un ennemi qui l'assiste ! C'est bon. Oh ! Fin de la partie ! Fin de la partie. 2 kills, 1 assist, c'est magnifique. Mon Dieu ! Mon Dieu ! Je suis... Et je suis encore vivant. Mais que se passe-t-il? Mais quelle est donc cette partie? Oh mon Dieu, j'ai tellement cru faire un troisième kill. Oh, je suis déçu. Bon, eh bien, ne pas faire plus long parce que là, c'est déjà extraordinaire ce que je vous ai produit avec cet avion. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter. Et à vous abonner pour ce magnifique skill en HO229, les gars, c'était vraiment awesome. Et donc, Taïdon, je te laisse dire au revoir. Au revoir tout le monde. Salut, salut, et puis moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, c'était Nexos. Bon, petit bonus, ça ne va pas être très long, vous allez voir, c'est la partie juste après le live, là, la petite vidéo. Vous allez voir, j'ai encore été chanceux, donc... Je vais pas en dire plus, donc je vous ai déjà tout dit, donc moi je vous redis à plus tout le monde, ciao. Et voilà comment se termine en général la vie d'un Horten dans un magnifique écran de flammes. Allez, à plus tout le monde.